So back to the game. Yep, that's NBA Rayman. what should I do next? Bravo Rayman! Encore un générateur et l'usine s'ouvrira. Les pirates ont enfermé les bébés Globox dans les mines. Va les libérer. So the pirates just catch the Globox kids. So I have to go to the mines and free them. And sorry, I am eating, so that's why I got my mic off. Donc je coupe mon micro parce que je suis en train de me bouffer comme une malpropre. Tu dois monter à Paris pour régler les affaires demain, du coup ça bouscule un peu ton planning. D'accord, effectivement, oui, c'est... Ah, tu dois recommencer, c'est trop gros, mince. Quelle console peut-on te recommander pour tes streams? Oui, c'est possible. Alors, je sais pas. J'ai jamais testé de l'émulation de Wii, donc je ne saurais te dire. Il faudrait que je teste. Faudrait que j'essaie de download un jeu et voir si ça passe ou pas. J'ai jamais testé de l'émulation de Wii, donc je pourrais pas te répondre. Après j'arrive... Enfin, j'ai Dolphin, sans souci. J'ai juste jamais testé Wii. I think the game just froze. That's nice. Cool. Cool game. Je vais recommencer parce que j'ai comme l'impression que le CD a freeze. Mais ouais, du coup, faut pas oublier que j'ai pas de Wiimote, hein, donc attention. Alors oui, c'est pas très propre de bouffer. Enfin, c'est mal propre de bouffer parce que ça fait scrunch scrunch dans les oreilles, donc c'est pas très agréable. Salut Xolmix. So I'm muting myself when I eat, so don't be afraid if you don't hear me talk. It's just that I'm eating. Bah écoute, n'hésite pas à me recommander des jeux, effectivement. Je testerai. Il me faudrait un exemple de jeu, déjà. N'importe lequel. Et puis... puis on verra bien si ça passe ou pas. Hein. De toute manière, je le saurai pas tant que j'aurai pas testé. Donc... Ah ! Il faudra que je teste, à ce moment-là je pourrais vous dire si c'est possible ou pas. Parce que je n'ai aucune idée de comment simule la Wiimote. Bon, tu peux lui tirer dessus, merci. Thank you.
Alors, Xenoblade Chronicle, je sais qu'il est bien. J'ai une amie qui en est très très fan. Mais il me tente pas plus que ça, honnêtement. J'aime beaucoup les RPG, cependant. Ah, there we go! Now it's working. Last time I had a weird crash. It was in the first world, and it was Clark, you know, the huge guy. He was just running into the stone and he couldn't get to the exit. So it just threw the game. That was nice. Donc ouais, pour Xenoblade, honnêtement, je suis pas très emballé. J'ai beaucoup de mal avec le système de combat. Et ce putain de chronophage. J'ai déjà prévu de faire quelques RPG, mais je crois que Xenoblade, par contre, il est hyper long. Last Story, alors. Ça, je vais le noter parce que je ne connais pas. Je vais aller regarder ce que c'est. Pouf. Last Story. Et je vais me marquer faire test. Pour oui. So, I'm just gonna try later on, maybe by myself, to see if I can... maybe emulate some Wii games? I don't know. Coucou Nefesia! Oh oui! Beat the Beat! Rhythm Paradise! Oui, ça je vais le noter! Beat the Beat! Rhythm Paradise! Oh, ce jeu il est trop cool! Même sur 3DS, enfin sur... Ouais, DS, il est dur! C'est dur par contre! On va rire, hein, je vais être nul! Mais j'adore ce jeu, il est trop cool! Tchik tchik tchikideska! Ah, t'as trouvé le rafle de Door Seekers. Nice, Grundy, nice. Nice, nice. Comment ça va, Nefesia? J'espère que ça va bien ta jambe quand même. Envoyez tous des poutous à Nefesia. Et Nefesia, écrit point d'exclamation hug. Je pense que tu en as besoin. Tout attaché, hein, comme si tu faisais une rafle, mais. Just Dance avec une webcam, tu penses? Ça peut être drôle, effectivement, mais je n'ai pas de webcam, donc. Mais j'aime bien les jeux à la con, hein. Just Dance, tout ça, je trouve ça rigolo, surtout qu'en stream ça pourrait être énorme. Genre pendant le Vinesauce Charity Stream, il y a Fred qui a fait du Just Dance pour c'était une incentive, je crois. Et du coup, il a fait plein de trucs. Il a fait DDR Mario, il a fait Just Dance, et il a fait le jeu de Star Wars Kinect. C'était horrible, mais c'était trop rigolo. Ah, il est là l'anneau. Mais j'avoue, franchement, ce serait rigolo quoi. Ce serait très drôle. Pied dans le plâtre, on fait avec. C'est très désagréable. Courage, courage. Ah, t'as rendez-vous le 3 août pour revoir un spécialiste. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Rayman? Oh. I didn't want you to go back. Oh, I hate this game sometimes. Just Dance à la manette. Bah en fait, Nefesia, elle s'est pété la cheville, la jambe, je sais plus quoi. Donc elle a le pied dans le plâtre. No More Heroes est très drôle aussi. D'accord. Je vais noter ça, j'irai voir ce que c'est. Ah, No More Heroes, c'est pas le jeu où t'es sur une île et il n'y a plus de héros ou je sais pas quoi. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je crois que j'avais un ami qui m'en avait parlé il y a un bout de temps de ça. Ça me dit quelque chose. Deux métatarsiens dans le pied. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a pas l'air de faire. Ça a pas l'air de faire du bien. Oh no! Alors, nana. Mais cet arcien batracien, mais.
Allez. Oh, mais... Oh, come on. Mais... C'est pas vrai. Tu peux arrêter de te décrocher toutes les 5 secondes? Merci! Ah, c'est pas vrai! I hate, I don't know why he keeps getting off the looms. Oh, that's so frustrating. Please, Rayman, please. But come on. Dude, why do you do this to me? What have I done to you? Why do you hate me? Ah, finally. You were so uncool, Rayman. Non, pour l'instant, le Nightbot, il s'est fait hug que sur la personne qui fait la commande. Il faudrait que je trouve un moyen de faire, effectivement, en sorte que quand on marque le nom de... Enfin, je pense que je vois comment faire. Mais de faire en sorte que quand tu marques le nom de la personne, ça fasse hug sur le nom de la personne en particulier. Je sais comment bidouiller ça, je pense. Je le ferai après ou plus tard. Mes bébés. Mes bébés. C'est horrible. Les pirates ont pris tous mes bébés. Ils les ont enfermés dans les mines et dans des cages. Mon Globox chéri a essayé de les en empêcher. Mais les pirates l'ont capturé lui aussi. So again, Globox has been captured by the pirates again and again. But then the kids too. Ils l'ont emmené sur leur vaisseau prison. Mais avec ça, je pourrais aller jusqu'aux mines. Ne pleure plus, Huglette. Je m'occupe de tes petits. Bah en fait, je sais mieux configurer Nightbot maintenant que Moobot. Moobot, je l'ai enlevé. J'ai plus que Nightbot. S'il vous plaît, calmez-vous sur les trucs là. So they've got tons of kids. I don't even know how or why they did so many kids. Je veux même pas savoir comment, ni pourquoi, ni rien sur tous les gosses qu'ils ont fait. D'accord, bah j'irai voir et puis je pense que je devrais bien trouver un moyen d'appliquer ça sur Nightbot parce que honnêtement je m'en suis mieux sortie toute seule sur Nightbot que sur Moobot donc mais honnêtement à mon avis ça devrait être la même chose hein. Mais y'a pas de souci Elkiller, je me débrouillerai. Mais en tout cas je te remercie, j'irai voir ça quand j'aurai le temps, j'imagine ce soir ou demain matin. Mais j'irai voir ça, ne t'en fais pas. Dans Rayman 4, ah ouais, tout est fait. Ben, ah donc il a déjà été donné Door Kickers. Mais non, mais justement en fait, ça doit être par là. Donc il faut que tu me dises parce qu'en fait, j'avais fait gagner le jeu. Et après ça, j'ai annulé parce que j'avais pas de nouvelles de la personne. Et à ce moment-là, je l'ai remis en jeu. Donc il faudra que tu me dises à qui je l'ai donné et à qui je devais le donner. Qui c'était le premier gagnant en fait? Qui était le premier gagnant du jeu? Ah oui, oui, je sais que je peux avoir Nightbot et Moobot en même temps, y a pas de soucis sur ça. Heureusement, t'imagines si Nightbot et Moobot ils se tapaient dessus, genre casse-toi, c'est moi le seul bot.
Can't see shit. Can't see shit. Tu m'étonnes. Ah, au fait, donc non seulement j'ai réduit les délais. Non seulement j'ai réduit le délai de stream, enfin de latence, du moins j'ai essayé, et j'ai autorisé les liens dans le chat. Donc attention toutefois, c'est pas parce que les liens sont autorisés dans le chat que vous devez spammer des conneries. Je demanderai au modérateur, et de toute manière j'irai cliquer moi aussi dessus. Si jamais c'est des conneries, vous time out la personne pour effacer le lien. Attention. Ok, est-ce que c'est clair? C'est pas parce que les liens sont autorisés qu'il faut spammer de la merde. Mais voilà, comme ça vous le savez, maintenant les liens sont autorisés. Après, ouais, pour que ça recalcifie vite, honnêtement, j'ai pas d'astuce. Alors, donc c'est dans Rayman Part 4. Je vais le noter, comme ça au pire des cas, j'irai voir ça. J'irai voir ça par moi-même. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder tout le truc. Oh, mais... Ben, j'entends par des liens offensifs. Qui peuvent blesser les gens, des trucs vraiment stupides où c'est que de la merde dans le sens où c'est un truc raciste ou que sais-je. Si c'est des insultes, que c'est en lien, ou tu vois, enfin... De toute manière, quand tu auras un lien dans le chat, je cliquerai dessus et si ça ne me plaît pas, je banne. Enfin, je time out. On banne pas forcément pour ça, mais on time out. Je peux toucher l'eau? Oui. Ah, donc c'était bien I'm So, très bien, je te remercie. Huguette, elle brille. Huguette is shining. She's got something shiny in her... body. Maman? Regarde, Huguette. Voici les autres. Huguette, pardon, pas Huguette. Huguette. Merci. Prenez le bateau pour rentrer. Rayman, nous avons décidé de te donner un masque de pluie. Un masque de pluie? Avec, tu pourras faire tomber la pluie comme les Globox. Merci, Huguette. Et à bientôt. Oui, si c'est de la pub, ça c'est clair, la pub, c'est la pub, on enlève le lien. Sauf si c'est une pub que j'ai autorisée, genre si quelqu'un veut mettre... par exemple, si pour le cas de Rodar... Bon là c'était dans le cas où par exemple Rodar n'était pas modérateur, ne serait pas modérateur, si jamais il avait voulu poster un lien pour son DeviantArt, par exemple quand c'était pour le stream de Pokémon, pour le dessin de Pokémon, là ça aurait été autorisé. Mais si jamais quelqu'un débarque de nulle part et dit même pas bonjour, oh that's interesting, il dit même pas bonjour et balance un lien, ça c'est tu dégages, pardon mais tu dégages, attends, au moins des politesses quoi. So I did got the masks for the mask. For the rain, so I'm just gonna go back to the levels where I need that in order to to get the looms that I missed. Globlox a le nom de son espèce, tout à fait. Thank you.
Non mais c'est sûr que voilà, enfin je veux dire, si c'est un bot qui fout un lien, le bot tu le bannes. Enfin, je veux dire, ça, je parle de timeout quoi, ce sont des humains. Si c'est des bots, ça c'est clair que les bots, ils ont même pas besoin de poster un lien pour être timeout. Si c'est un bot, le bot il est ban. Si c'est un humain, on peut juste timeout parce que ça arrive de faire une erreur. Hein. On peut juste timeout et puis par contre, s'il recommence et qu'il fait toujours de la merde, là c'est le ban. Tu vois, c'est pas. Je veux dire, il faut être logique aussi, faut pas être débile. C'est la simple logique. Si t'as un bot, bah le bot tu bannes, point. Ça, si tu te poses même pas la question, lien ou pas. Genre les bots Mr. Bean, ça se banne. Si quelqu'un par contre c'est juste un gros con, bah ça le gros con tu le dégages, ça semble logique. Mais si c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de voir mais qui, ben là pour un coup, va savoir pour quelle excuse il balance de la merde. Bon bah là tu time out et puis voilà tu le laisses revenir, faut pas être méchant non plus. Faut juste être logique. C'est tout. Bravo Rayman, les enfants rêvent tous de te ressembler. Maintenant, tu peux désactiver les lasers qui te bloquent. Tu trouveras le deuxième générateur au fond. C'est pas une botte mais une Santiago, please. Eh ben la Santiago, tu la bannes, parce qu'elle a pas à être sur un chat. On met pas une Santiago sur un chat. Il n'y a plus de masque ici. Youp. Par contre, shut up. No, I don't want to save my game again and again and again. Alors. Je l'avais même pas vu, le mec. Genre. I didn't even saw that robot. I was like, hey, let's go. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on met pas une Santiago sur le chat. Le chat peut la porter, mais on la pose pas sur lui, c'est ça ce que je veux dire en fait. So I'm just gonna grab all the loot that I missed, because I didn't have the mask earlier, but now I can summon the rain. Le remix du chat beauté. Le chat Santiago, c'est ça, c'est la contrefaçon chinoise. C'est les bootlegs. Les bootlegs du chat beauté. Oui, bientôt le mien, j'espère, parce que financièrement c'est galère là, j'ai eu un gros souci en fait. J'ai eu un gros souci, ce qui s'est passé c'est que j'avais voulu commander une machine à laver en plusieurs fois. Et j'avais fait un truc, mais le problème c'est que le choix commander en plusieurs fois ne s'est jamais présenté à moi. L'option commander en plusieurs fois n'est jamais apparue. Donc là, j'ai en gros, j'ai 387 euros de découvert sur 400. Voilà. Donc là, j'attends que on me rembourse parce que j'ai annulé la commande, naturellement. Enfin, j'avais annulé la commande, mais... En fait, c'est pas bien passé auprès. Enfin, ça a été annulé auprès de Rue du Commerce, mais Rue du Commerce n'a pas prévenu les autres que la commande avait été annulée. Donc là, il faut attendre que la machine leur soit retournée. Puis, une fois qu'elle sera retournée, à ce moment-là, je vais devoir attendre. Je crois que c'est 5 ou 8 jours, une fois que la machine sera retournée, pour avoir le remboursement. Le problème étant que j'avais des amis qui devaient peut-être m'envoyer en fait des fournitures pour chat, genre ben, un bac de litière, des conneries comme ça. Mais il se trouve que malheureusement, envoyer tout ça, ça coûte cher, parce qu'effectivement, oui, ça fait un gros colis. Mais du coup, moi, j'avais pas acheté les fournitures pour mon chat, parce que le chat, je le récupère début août. Donc là, je me retrouve bloqué au niveau thune, sans fourniture pour le chat, avec le RSA qui arrive ben, le 5... si tout se passe bien. Mais le problème, c'est que j'ai enfin
mes examens pour ma tête, mon IRM, je l'ai fait le 4 août. Seulement, putain, mais je sais pas comment je vais faire pour payer le bus. Parce que là, je vais même pas pouvoir retirer 10 euros pour prendre le bus. Donc je vais devoir demander à des gens sur Fougères s'ils peuvent pas me dépanner 10 euros pour prendre le bus et aller faire mon examen. Parce que j'ai tellement galéré à avoir une IRM que je vais pas abandonner le truc. Donc je vais demander si quelqu'un peut soit m'emmener à l'hosto, soit... soit me dépanner 10 euros pour le bus. Mais en théorie, oui, je vais enfin pouvoir avoir mon chat. C'est juste que va falloir que j'attende. Et en théorie, si j'ai bien le RSA, j'aurai à peine 100 euros en positif. Et il faudra que j'attende que ma machine à laver soit remboursée. Parce qu'il y a eu un problème de communication entre Rue du Commerce et le fournisseur. Ce qui fait que je me suis retrouvée à presque mon découvert maximum. Et ça, c'est trop cool. Alors, comment je fais le truc déjà comme ça? Donc ça me saoule. Bizarrement, j'ai atteint un stade où en fait je crois que je m'en fous. Mais là, c'est dangereux aussi que je m'en foute. Hein. Au moins, je suis pas en train de pleurer tous les jours. Chose que je faisais avant. Donc c'est juste que je pense que soit j'ai atteint un stade critique de je m'en foutisme, ce qui est pas bon non plus. soit je ne sais pas. Mais je sais que ça va s'arranger. Hein. C'est juste que attendre le remboursement, c'est long. Je peux rien faire, je suis complètement bloquée, je peux pas m'acheter de bouffe, je peux même pas acheter de fourniture pour le chat. Le chat, quand je vais aller le chercher, il aura pas de bac à laitière, il aura pas de croquettes, il aura pas de litière, il aura pas de gamelle, il aura rien. Enfin voilà quoi, c'est plus ça moi qui me fait chier. Bon. Enfin bref. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah merde, elle a disparu. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'espère, là, quand je vais aller faire mon IRM, j'espère que tout sera pris en charge par la sécu. Normalement, ça devrait le faire, parce que j'ai eu l'ordonnance du médecin, donc normalement, je devrais rien avoir à avancer. Mais j'espère, parce que sinon, je sais pas comment je vais faire, parce que je peux juste pas me permettre de payer mes examens, là. En plus, j'ai un chèque qui doit passer. Donc j'ai appelé les gars pour leur dire encaissez surtout pas le chèque, donc j'espère qu'ils vont surtout pas l'encaisser, parce que de toute manière même s'ils l'encaissent ça ne passera pas, tout simplement. Donc bon. Enfin bref, voilà, c'est tout, ça va s'arranger, hein. C'est juste qu'il faut être patient. Et espérer qu'il n'y ait pas un autre truc qui me tombe sur le coin de la gueule. Parce que ça m'arrive très régulièrement, qu'une nouvelle surprise pop. Donc voilà. Non mais il faut pas faire de dons les gens, enfin je veux dire ça va s'arranger, c'est juste que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, alors j'essaie de pas y penser, c'est pour ça que je joue un peu, toutes ces conneries, j'essaie de me focaliser sur autre chose et de prier pour que rien ne se passe en attendant. Donc bon. C'est absolument pas un appel aux dons que je fais, hein. C'est juste que je racontais ma vie, mais... Voilà, c'est tout. Bah écoute, Grundy, à plus, merci d'avoir checké pour la loterie. J'irai regarder ça pour voir ce qui s'est passé. Parce que comme Aimso m'a pas clairement répondu par MP, du coup j'irai voir ça après. Et du coup, bonne soirée à toi. Ou peut-être à plus tard si tu reviens ce soir, parce que je pense que je vais streamer ce soir. Tu peux viser, s'il te plaît. Oh, mais tue-le! Non, t'as pas l'air décidé. Ah oui, c'est vrai, fallait que je fasse ça en fait. Oh, laisse-moi charger. Bah ouais, ça tu m'étonnes. J'ai une amie aussi qui a changé d'appart et du coup c'est pareil, elle est en train d'attendre sa caution. C'est trop chiant les problèmes d'argent, sérieux. C'est beaucoup trop chiant. Bah oui, c'est sûr que c'est moche, mais bon, on peut pas y faire grand chose, hein. C'est juste que s'il n'y avait pas eu de problème de communication, on n'en serait pas là. Oups. Mais bon. Oh, je recommence de là.
Oh. C'est dans quel sens qu'il faut que j'aille du coup? Je suis perdu. Oui, c'est par là. Hein. Vous croyez que je peux l'avoir? Non, Hanman ne veut pas l'avoir. L'argent, c'est chiant complètement. Oh, ce petit ralentissement qui fait plaisir. Ah oui, bah oui, ça c'est clair que les dépenses de groupe, ça fait mal aux fesses, ça aussi. Bah j'espère que ça se vendra. Écoute. J'espère que ça se vendra parce que ouais, sinon ça fait mal. Et chercher le soin. 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 Oh, puis en plus je peux même pas demander d'aide par exemple à une assistante sociale ou quoi parce que n'ayant pas d'enfant à charge par exemple, je peux bénéficier d'aucune aide. Il y a aucune aide ponctuelle dont je peux bénéficier parce que bah si on n'a pas de gosse, si on n'a pas de gosse à charge, il n'y a pas d'aide de disponible dans le département où je suis. Ça c'est un peu relou aussi. Honnêtement, en temps désespéré, je me suis dit putain, je devrais faire un luluton et demander des sous, mais en fait non, ça se fait pas, donc je veux pas le faire, mais... Mais ouais, c'est vrai que c'est chiant qu'il n'y ait pas d'aide disponible chez l'assistante sociale, quoi, parce qu'on aurait bien eu besoin quand même. Ah oui, c'est vrai! Comment je te mange déjà? Comme ça. So now Rayman is Alice, because he's hitting some weird shroom that makes him shrink. And I think it's funny. Wow, please. But he's so speed, but I just can't climb those. Whew. Don't do drugs, Rayman. Too late! Très bien, bah écoute, bonne chance pour ton ménage, Mr. Cross. Merci d'être passé, des bisous. Non, ça c'était pas dans la version PS1, tout à fait. Qu'est-ce que t'as fait? Je connais mon annonce. Quand il dit mais waouh, ça veut dire qu'il s'est passé un truc. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise, c'est ça, hein? T'as fait des bêtises. Mais non, j'ai dit non, faut pas. Non, en vrai, tu m'as une follow et tu m'as refollow, en fait, c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'ai une annonce Twitch alert. Parce que si jamais c'est autre chose, il va falloir que je te fasse un énorme câlin quand on se reverra. D'ailleurs, c'est quand qu'on se revoit ?
Mais les liens sont autorisés dans le chat, hein, les gens. Là, par exemple, pour ton groupe, tu peux mettre le lien sur ton chat, ça, y a pas de souci. Hein, je t'y autorise. Donc, les liens sont autorisés, les gens. Hein, donc, faut juste pas poster de la merde, je vous fais confiance pour ça. Mais... quand je reviens à Paris, j'ai très envie de revenir à Paris. Ça fait longtemps que j'essaie de revenir à Paris. Mais toujours le même refrain. Mais je connais des bus qui coûtent pas trop cher, mais pour le moment ça reste un peu chaud. Mais ouais, je note, quand je reviens à Paris, on se capotera. Complètement même. Ah, c'est pour que tu le gardes que tu le demandes en whisper. Effectivement, ça se tient. Mais il n'empêche que Xolmix peut tout à fait le poster dans le chat au passage. Il n'y a pas de problème. Oh non! Oh! Non, 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 non. I don't remember where the last cage is. As for the three rooms that I missed. Missed? I don't remember. Ouais, je sais plus du tout où est-ce qu'ils se trouvent les trois derniers looms et la dernière cage. J'imagine qu'on trouvera bien. Continuons. Putain, il est déjà 18h. Waouh. Waouh. Alors, deux petites minutes, hein, je fais un truc vite fait. Pouf, voilà. Alors, toc, est-ce que là c'est bon? Oh, Nightbot, il autorise pas les liens dans le chat. Je savais pas que Nightbot, il autorisait pas les liens dans le chat. Attends, c'est comment? C'est allow Xolmix? Est-ce que ça marche? Vas-y, tu peux recommencer. Ah bah oui, mais je savais pas que Nightbot il time out. Comment voulais-tu que je le sache? Je viens à peine de l'avoir. Parce que moi justement j'ai enlevé le ban. Donc vas-y, là t'es autorisé. Profites-en. Voilà, là c'est bon. Je suis désolée, je savais pas que Nightbot il time out. Désolée. Alors... Elle est dans le coin en tout cas. Elle est dans le coin. Est-ce qu'on l'entend? Ah bah si en plus tu te trompes de lien. Où est-ce que t'es? Mais oui, ah! Help, je t'entends, mais... Ah, mais elle est là! Comment ça se fait que je l'avais pas vue? Oh bah alors... I don't know why I didn't saw her. It's Aaliyah. That's a shame. That's a shame. But I don't know where the three last looms are.
Attends, ici je crois que j'avais tout. Je vais vérifier, mais il me semble que j'avais tout pris. I think I had all the rooms here, but I'm not sure. I did go there and over there, but I don't think I can go anywhere else. Où est-ce qu'ils peuvent être? I don't know where they are. Ce petit ralentissement qui fait plaisir. Oups. Alors, y a rien là. Mais Sydney. Mais enfin. Non, pas besoin de sauvegarder, ça devrait aller. Je pense pas être très en danger. Alors. En tout cas, je te remercie chaleureusement, Sydney, c'est très gentil. Mais il faut pas. Je veux dire, j'ai pas dit ça pour que vous donniez quoi que ce soit. Hein. Enfin, c'était pas le but. Après voilà, enfin, ça me fait. C'est sûr, ça me fait plaisir, c'est sûr, effectivement, comme ils disent tout le temps dans les marathons, même un euro ça aide, voilà, c'est sûr. Mais j'ai pas du tout dit ça pour. Enfin, je voulais pas avoir l'air de me lamenter ou quoi que ce soit, enfin, Bon, on se fait chier là. Oh. Alors, est-ce que. Peut-être ils sont par là. Blurp, 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 blurp. Vous êtes mignon. Mais non, mais il y a pas de moment pour faire péter les dons. Enfin, j'avais mis le lien parce que voilà, une fois on me l'avait demandé. Depuis, j'ai laissé, mais c'est pas du tout obligatoire et jamais. Même si j'avais atteint 400 sur 400 dans mon découvert, par exemple, jamais je vous le demanderais. J'ai déjà du mal à demander aux gens qui sont proches, on va dire physiquement parce qu'ils sont dans la même ville que moi, de m'aider, alors que je sais que j'ai une amie qui m'a dit hésite pas. D'ailleurs je pense que je vais lui demander 10€ pour faire une machine, parce que j'ai besoin de faire une machine à laver. Bref. Mais jamais je demande aux gens file-moi des sous s'il te plaît. Ah non. La seule fois où je demande aux gens de filer des sous, c'est éventuellement quand je regarde un stream caritatif qui me tient à cœur, et à ce moment-là, oui, je poste sur genre Twitter ou autre. Là, à ce moment-là, je dis « Ouais, allez-y, donnez des sous !» C'est tout. C'est tout, c'est les seuls moments où... Bah... Oui, effectivement, oui, tout à fait, si tu fais un tour et que je passe sur Nantes, t'as tout à fait droit à un câlin, mais honnêtement, je pense que si un jour je passe sur Nantes, dans tous les cas, je pense que je te ferai un câlin parce que t'es gentil. Voilà.
tant que t'es pas un dangereux psychopathe qui ne rêve que d'une chose, c'est de m'étreindre jusqu'à ce que mort s'en suive, y a pas de raison que je te refuse un câlin. Enfin, je veux dire, tant que je me sens en confiance, en théorie... Mais en tout cas, oui, voilà. Comme j'ai dit, hein, je vois que t'en parlais un peu, mais voilà, hésite pas à reparler un peu de ton groupe, hein. Surtout que je vois que Nephesia a l'air assez intriguée, donc ça c'est assez cool. Donc ici j'étais déjà allée, j'ai pris tous les loops, donc j'ai dû les rater ailleurs. Ça doit être un autre endroit du niveau, obviously. So I think I missed them again. I don't know where they are, but never mind, one day I'll find those three last looms. I don't know where they are, but I'm gonna find you and catch you. Bah oui, je sais bien ce que c'est. Effectivement, moi aussi, j'en ai organisé avec l'aide des gens avec qui je bossais. Et c'est sûr que oui, c'est super cool de pouvoir organiser des concerts et en faire et tout, donc ça me manque, hein, ça me manque, mais c'est vrai que c'est très très cool. So we're just discussing about some guy that we were organizing concert and all some events. Because I used to be somehow in a production thing before. We were organizing some show, and Xolmix in the chat is in a band, and he was talking about maybe some future shows and some the new album, etc., and so on and so on. So sorry for the lot of French. That was not game related, so that's why I didn't translate, but I figured out that I should maybe say something in English for you, because I don't want you to be somehow bored of the stream, because I keep speaking French. But yeah, somehow I'm gonna find them. Lui est taken, remaster. Yep, taken, Rayman taken. I'm gonna find you, Loops, and I'm gonna catch you. Donc ici, je sais où ils sont. C'est vers la fin du niveau. Here, I know where they are. I need the mask to get them. Mais non, t'inquiète. Oh, come on, dude. You're enjoying the stream, so I'm glad then if you're enjoying the stream. That's the most important thing. And I'm kinda not derpy today, because sometimes I used to do some very bad play. Sometimes I can just screw everything and keep dying again and again, and I know the chat love when I do that, but today I'm not so bad. Du coup, I'm so, donc je sais pas si t'avais répondu au MP où je te disais question, mais il me semble que c'était bien toi qui devais gagner Door Kicker. Tu m'avais dit que c'était le jeu que tu attendais et que en fait, du coup, tu l'avais pas eu parce que j'avais relancé le raffle. Donc, j'irai voir ça parce que Grundy a retrouvé le passage dans la vidéo où c'était. Donc j'irai revérifier ça, mais il me semble que c'était bien toi qui devais avoir Door Kickers à la base. Mais que comme tu dormais justement, j'avais remis le truc en jeu parce que j'avais pas eu de réponse. J'irai revérifier ça, mais il me semble que c'était toi. Donc si c'était bien toi, tu feras que tu surveilles tes MP parce que chose promis, chose due, je t'avais dit que je te refilerais ça. Et si c'était bien toi, je te refilerais effectivement la clé parce que voilà. Voilà, voilà. Donne-moi un Doritos. Oh, ça fait du placement de produit. Haha. Goodbye. Tout,
Attends, Sydney, si en fait, si tu veux poster un truc, il faut d'abord que... Il faut d'abord que... Ah ben en plus, c'est même pas un lien, c'est une emote. Oh là là, Nightbot. Ah là là, Nightbot, quelle sévère. Quelle sévérité. Pouf. Bon, au moins l'avantage quand tu te fais time out, c'est que si on veut vraiment voir ce qui a été posté, il suffit de cliquer sur... Sur message delete, et puis voilà. Bon, en fait, ça cause des petits points, je pense. Il prend ça pour un lien, et du coup, bah, il fait nope. Ah! Haha, yes, I save before, because I knew I would miss some. This is not cheating, not at all. Ah, there we go, we got them all. Ce coup-ci, on les a tous, et non, 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 je l'ai absolument pas fait de save tête. Hein. Vous n'avez rien vu, nu, 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 nu. Yahoo! Ah oui, c'est vrai, t'as dit spamming symbole. Effectivement, je l'avais pas vu. Ah là là, Nightbot. Je configurerai ça peut-être éventuellement pour les emotes, on verra bien. Pas qu'un Nightbot. C'est l'ennui, ça, Xolmix. Je suis sûre que c'est l'ennui, c'est pour ça que t'as encore faim. Allez, give me mes points et on s'en va. Non, ce qu'il a écrit, c'est le kanji pour Niku. Ça veut dire viande, entre autres. C'est pas du tout cafard. Un cafard quadrupède. Quadrupède. Mini. Il n'y a plus de masque ici. Je Par sais. Contre, il reste des looms à ramasser. Chut. Il n'y a plus de Chut masque ici. Par il n'y a Ah Stop I think I know where the three last looms are. Maybe I had to deactivate the pumps in the first level and then go into the water. Maybe. Maybe. That's maybe where they are, in fact. Peut-être que les trois looms qui me manquent, ils se trouvent donc dans le premier niveau, ça c'est sûr. Mais là où il fallait que... Là où il y a la pompe, fallait peut-être que je la désactive, parce que je sais que sur PS1 tu la désactives la pompe justement, et après tu passes dans l'eau. Du coup c'est peut-être là qu'il me manque 3 looms en fait. Mais je suis pas sûre, faudra que je vérifie. Alors, Neko, Inu et Inochi, t'adores ton clavier. Mais genre tu sais ce que t'écris ou pas du tout? Et après t'as écrit Oku. Très bien, très bien. Mais tu sais ce que t'écris ou pas du tout?
So can I light the torches now? Yay! I can! Yahoo! So can I just escape the level? No, I can't. So never mind, I'm just gonna have to finish that. Ah bah je sais pas hein, t'aurais très bien pu juste changer ton clavier sur le Jap et puis spammer des trucs que tu sais pas ce que ça veut dire hein. Je sais qu'il y a des, il y a des gens qui peuvent le faire, donc c'est pour ça que je te demandais si tu savais concrètement ce que t'écrivais ou pas. Et par contre, attention, c'est pas parce que c'est en japonais que t'as le droit d'insulter les gens. Voilà. Je veux bien que ça passe une fois, que ce soit dit pour rigoler, mais je ne tolère pas que l'on insulte les gens. Attention, attention. C'est pas très gentil, hein. Non, home run en basket. Yeah! Yeah! Basketball home run. Yay! Mais non, c'est pas un imbécile. Attention, hein! Même en rigolant, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je vais demander à Nightbot de faire EO! Attention! Oh, I have to do this again. I just wanna get out of this. Yep, touchdown. That's Rayman touchdown. C'est pas parce que t'as volé ton émote qu'il faut l'insulter, hein? Non mais. Très bien, bah écoute, des bisous. Des bisous et merci d'être passé, Xolmix. Et puis, ben, bonne batterie. Have fun. Wouhou. Yeah. Youhou. Du coup, des bisous à toi aussi, Xolmix. This fucker is just taking some weird way instead of just going right through the right through. Ah. Donc ouais, hein, il fait exprès de prendre des chemins un peu tarabiscotés juste pour nous embêter. C'est pas très gentil, hein. C'est pas très gentil du tout, du tout. Bad Glowbox. I'm just gonna check real quick if the looms are where I think they are.
And if not, I just gonna get out of the level. Donc ouais, hein, je vais juste checker si les looms sont là où je pense qu'ils sont. Et sinon, bah, je rechargerai parce que j'ai fait une save stat. Heureusement que le pirate fait du surplace, oui, tout à fait. Tu t'as fait le pirate un peu crétin. Il est pas si méchant que ça, c'est juste qu'il est sous les ordres de... Je sais plus, Barbe Tranchante, je crois que c'est ça son nom. Il n'y a plus de masques ici. Par pardon. Contre, il n'y a plus de masques, mais il reste des masques à ramasser. Si j'inverse, ça va pas le faire. Faut récupérer les 1000 masques pour rétablir l'équilibre. Donc oui, hein, encore ici parce que je vais juste vérifier hein, si c'est bien là, puis sinon bah on se barre. Fait chaud là d'un coup. C'est l'heure où le soleil tape chez moi. Il fait toc toc, je viens à ta fenêtre. Et tu sais pas si c'est pareil en jap, c'est à dire moi je vois alors soit c'est Binamaka soit c'est Binatsu et je sais pas ce que tu as voulu écrire. Oups. Je pense que c'est ici hein, qui sont les looms. Ah! So I really think they are here. Because I think I might have forgot to do something. Ah, Pikachu! Bah, en fait, oui, c'est. En fait, t'as mis Tenten au lieu de Maru, donc t'as écrit Pikachu en fait. Enfin, déjà, t'as écrit Binachu, et pas Pikachu. Le hi est bon, mais il te faut mettre un Maru, donc un pi, note un bi. Et à la place de ka, t'as écrit na. Donc, c'est pour ça, en fait, je ne comprenais pas. There's nothing. That's weird. I thought there were something here to fire on. To maybe. Maybe not. Ça va venir, t'en fais pas. Tant que tu t'entraînes régulièrement, ça finira par venir. C'est long, c'est chiant, ce sera dur, ce sera vraiment pénible de refaire à chaque fois tous les jours. Mais faut s'accrocher. Je sais de quoi je parle, j'ai fait une licence de japonais du coup. Là, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner à nouveau, mais... Non ! So no, I don't know where they are. I come back later because I think later you can have a sort of something that lets you search the rooms. A sort of a radar, maybe. To detect where the rooms are, but. I don't know when is it. Il n'y a plus de masques ici. Par contre,
Il reste des looms à ramasser. Je sais. So, yep, I got everything. Il n'y a plus de masque ici. Par contre... Oui, c'est sûr que c'est dur. Chiant, en fait, dans le sens où tu vas voir qu'après, il y a plein de trucs qui vont se ressembler. Plein de choses qui vont se dire tchou, tcha, cha, tcho, etc. Globox a été de nouveau capturé. Donc, va vite à la crique arc-en-ciel le libérer. C'est pour ça que je dis que ça peut être chiant. Parce qu'après, t'as beaucoup de trucs qui se ressemblent, beaucoup de prononciations qui vont se dire pareil. Enfin, beaucoup de mots qui vont se prononcer pareil, mais qui, en fonction des kanji utilisés, auront des sens complètement différents. Donc, tu le fais en autodidacte ou tu suis des cours? So, Sydney here is learning some Japanese. And I did learn Japanese as well, so that's why I was talking about that. Here. Je sais plus si à la colline au menhir j'avais besoin, si c'était un truc avec la pluie ou si c'était un truc avec le chaud. Non, c'était le truc avec le tonneau. Donc je vais pouvoir y retourner. Alors, ça c'est bon, ça c'est toujours pas autorisé. Ah, il me manque deux looms. Ah, donc t'es bien autodidacte. Alors oui, tu as... Globox a été de nouveau capturé. Enfin non, il y a Duolingo, mais je crois pas qu'il fasse... je crois pas qu'il fasse japonais. Exercice ou leçon. Après, je sais que quand j'avais... Avant que je fasse ma licence, j'avais commencé un peu à apprendre le japonais par moi-même avec le japonais en manga. Alors je sais que ça a l'air ridicule dit comme ça, mais... Bah... C'était pas trop mal, j'avais pu apprendre quelques bases, genre les jours de la semaine, les chiffres et ces conneries comme ça, quoi. En tout cas, ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est que tu te focalises vraiment sur les hiragana et les katakana, parce que ça va te permettre, justement, de pouvoir après apprendre à lire en furigana, donc les petits kana qui sont au-dessus des kanji. Ça va te permettre de pouvoir apprendre à lire les kanji au fur et à mesure. Donc il faut bien que tu commences à apprendre ces deux premiers alphabets, ils vont être très importants, surtout les hiragana. Après ça, alors malheureusement non, j'ai pas de méthode ou de site. Peut-être que Nefesia, toi tu sais un peu plus, je ne sais pas. Moi là, comme ça à froid, j'ai rien qui me vient en tête. J'essaierai de chercher, mais avant il y avait des sites super, mais il y en a un qui s'est fait hacker malheureusement. Donc, et quand je dis qu'il s'est fait hacker, c'est-à-dire que bah, tous les trucs de japonais super bien, avec tous les exercices de grammaire, plein de choses super cool, ben tout a été remplacé par du cul partout, c'était trop bien. Spoil, non. J'étais trop dégoûtée, parce que ce site était hyper pratique et j'étais trop triste de voir que ça s'est fait hacker malheureusement, donc j'étais complètement deg. Donc du coup, j'ai plus trop de sites de référence. Après, ouais, ça va être dans les bouquins, les méthodes. Moi, personnellement, je sais que j'aimerais bien choper les bouquins du JLPT, mais ça, c'est déjà un cran au-dessus. Il faudrait que tu puisses... Essaye avec Minna no Nihongo, je crois. Je vais t'écrire ça dans le chat. Parce que je sais que c'est ces bouquins-là en question, mais bon, il faut investir un petit peu. Je sais qu'ils ont une version Jap-français, ou Jap-anglais peut-être. Mais je sais qu'ils ont une version Jap-langue étrangère. Alors que moi, les bouquins avec lesquels j'ai travaillé à la fac, qui sont Hirake Nihongo, eux, c'était full Jap. Ça, c'était un peu chiant. Donc c'est pour ça que t'as certains bouquins, pour apprendre, il faut déjà avoir des bases. Donc c'est un peu relou. Mais les Minna no Nihongo, eux, ils font du Jap français. Donc ça, c'est pratique. Par contre, ça risque de coûter un petit peu cher à la commande. Peut-être que tu peux en trouver d'occasion. Il y a plusieurs volumes, il me semble. T'as différents bouquins. Je crois que t'as ceux de grammaire et ceux de vocabulaire. T'as des bouquins d'écoute. T'as des CD exercices, etc.
faut avoir le bouquin full jap et le bouquin jap FR. Voilà, bon, tu vois, Nefedia, elle les connaît mieux que moi, parce que c'est vrai que moi j'ai utilisé les autres, justement. Je connaissais pas trop Milan ni Hongo, mais ils ont l'air très très bien. Enfin, de ce que je sais, c'est qu'effectivement, ils sont assez pratiques. Donc, comme ça, ça te fait déjà ça. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées sur ce que tu pourrais utiliser. Après, comme je t'ai dit, apprendre le japonais en manga... J'avais quelques bouquins avec moi à l'époque et bah, c'était pas trop mal hein, en soi, c'était pas très... c'est pas forcément les trucs les mieux, mais ça peut être bien pour commencer, pour avoir quelques bases au départ. Donc tu peux toujours checker les deux, je pense. Je pense que les deux combinés, ça te fait déjà pas mal. Et puis après, ben effectivement, tu peux toujours chercher des conseils en plus sur le net. Utiliser des traducteurs adaptés, par exemple, pas trop Google Trad. Moi, je sais que j'utilise Weblio, donc W-E-B-L-I-O, qui est très très cool. Par contre, ça fait du jap anglais. Il fait pas jap français. Mais il est très très bien, ce traducteur-là, en tout cas. Moi, je sais qu'il me dépanne beaucoup quand j'en ai besoin. Donc voilà un petit peu pour le topo. Tu les as utilisés en L1, c'est pas si mal en effet. Ouais, de ce que j'ai entendu, apparemment c'est assez cool ouais, comme bouquin. Ouais, Weblio, ça peut être pratique pour justement si un jour bah, t'as les bouquins. Ça peut être bien comme traducteur, comme ça, si t'as un souci, pouf, tu peux chercher les mots en ligne. Mais comme je t'ai dit, par contre, c'est Jap-anglais ou Anglais-Jap. Et ils ont un onglet traduction en fait. Quand tu vas sur le site, t'as un endroit où il y a marqué traduction. Tu utilisais le programme NGSTAR comme dictionnaire lecture. Ah, je connais pas celui-ci. Je ne connais pas du tout. Alors, je vais le marquer NGSTAR. Comme ça, voilà. Je me le mets de côté. Après, c'est les trucs classiques, c'est les trucs que moi-même je devrais faire, hein, parce que, voilà, on est censé faire comme ça, mais c'est juste que des fois j'ai la flemme. C'est pour ça qu'en fait, parfois je stream des jeux en japonais, c'est pour en fait pas trop perdre le truc. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer après, quand tu as acquis des bases, quand tu as aussi acquis des bases non seulement de lecture, mais en plus de grammaire, donc un minimum quand même, que tu commences, à tenter de lire, pourquoi pas. Pour te former à l'oreille, par contre, tu peux commencer aussi à, même si tu risques de pas trop comprendre, à tenter de regarder des animes ou des films, comme par exemple les Ghibli ou autres, mais sans sous-titres, ou alors avec les sous-titres en japonais. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre des trucs que tu connais bien, où tu te souviendras des traductions, mais sans les foutre en français, en dessous, sans foutre de sous-titres, pour vraiment... te former à l'oral. D'accord, bah écoute, j'irai checker ça, Nefesia. Play bonus! Phew. It's getting very hot here. The sun is starting to hit my window, so it's getting very hot in here. Mais écoute, Haru, pas de soucis, hein. Les streams, c'est fait pour ça, c'est fait pour faire un petit bruit de fond ou je ne sais quoi pendant qu'on fait autre chose. Du coup, des bisous à toi. Et à bientôt, j'espère. Ça peut être un début, effectivement, Sydney. Après, voilà, faut quand même que t'aies des références, hein, parce que ça peut aller vite d'apprendre de travers et après de garder les erreurs. De garder les erreurs en tête, donc il faut pas non plus griller trop les étapes, donc fais gaffe. Mais ça peut être un bon truc, ouais, ça me paraît pas trop mal. Ah, bah écoute, à bientôt alors, Haru. J'espère que tu reviendras vite. Et bah écoute, bonne partie de civilisation Nefesia. Amuse-toi bien. Et bonne soirée à toi aussi.
Alors... Globox, oui, je sais. Chut. Je t'en prie, tais-toi. Donc, dans la baie des baleines, il faut que je puisse avoir un truc pour flotter au-dessus du feu, parce qu'il y a le feu. Enfin, t'as la chaleur qui est censée me faire monter à un endroit. So that's all for the moment, because here I need another power, I think. I need to be able to fly over the heat, to get the rooms, I think. So I'm gonna go back to the other place. Yay! Woohoo! Fun allowed! Fun is allowed! So these are the mini games, I think, I can get. So there's B-Disc, Dogfight and BB-Foot. Donc ça c'est les mini-jeux que je peux tenter d'avoir, parce que j'ai acheté tous les power-up pour Rayman. Donc il me reste que du fun maintenant, du fun. Wahoo! Wow! This is a Kamehameha! Shut up! Hadouken! Ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi, le Hadouken. C'est vrai. Shoryuken un peu moins, parce qu'il me semble que ça, c'est un coup qui part vers le haut, non, le Shoryuken. Je suis pas très doué en Street Fighter. On va aller faire le niveau de Lee. I'm just gonna go see Lee to get another bonus level. Let's go. Hello. Bravo Rayman, tu as libéré. Oui, c'est Uppercut, ouais, c'est ça, ouais. Je peux ouvrir une nouvelle porte. C'est bien, heureusement que t'as pas besoin de moi pour habiter, enfin pour ouvrir les portes chez toi, hein. Dis donc, t'imagines si je devais lui ramener à chaque fois 10 familiers pour qu'elle puisse ouvrir une nouvelle porte. Haha, trop drôle. En plus, c'était tellement confus que je suis sûre que vous avez rien compris. No, I'm not ready yet. Ready? Go! What's this? Great, I can catch. Je l'aime pas trop celui-là, il est dur. En plus, j'ai toujours du mal à savoir où je suis dans l'espace. So I kinda hate this minigame, because it's always hard for me to see where I am, but I will succeed. Je vais y arriver, hein. C'est juste que parfois j'ai du mal à voir où je suis. Ah! Do you want to save? Nope. Come on! What? Come on! No? No thanks. Thank you.
Alors, qu'est-ce que je devais faire? Revel Killer. C'est où déjà que je dois aller? Ah oui, le masque. Tout à fait. T'inquiète, je vais faire une commande Lulu Best. J'ai une idée en tête pour ça. J'ai une idée pour cette commande. Non, vous êtes pas là? Ah si, je me disais. Oh mais je sais, tais-toi, Murphy. Je vois que tu maîtrises à présent la danse de la pluie. Tu vas pouvoir ouvrir la porte et désactiver l'accroche-toi du nuage au-dessus de la porte. Et... Je pense que je vais m'arrêter là. I think I'm gonna stop here. Cause I'm starting to get hungry. And I have to make my pizza. So I think I'm gonna stop here and be back later after eating for this level and some more adventure. So, I see you later and take care until then. Donc voilà, hein, les gens, vous l'avez bien sûr compris, je vais m'arrêter là parce que je vais me faire à manger tout simplement, faut que je me fasse ma pizza. Je pense que je vais streamer ce soir, hein, la suite. Donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à tout à l'heure si vous êtes là. Et en attendant, prenez soin de vous. Thanks for watching and see you. Des bisous les gens et bon appétit à vous également. Allez, salut, à tout à l'heure.